le président de la République. Veuillez lever la main droite et lire le serment prévu à l'article 48 de la Constitution. Moi, Alpha Condé, président de la République élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les lois, les rigueurs de la loi. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci. Merci. Monsieur le Président de la République, permettez que je vous donne la parole, s'il vous plaît. National. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État, ma sœur et camarade présidente de la République fédérale d'Éthiopie, mes chers frères chefs d'État africains, Messieurs les chefs du gouvernement,
Mesdames, Messieurs les chefs de délégation des pays AMI, institutions internationales, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames, Messieurs les juges constitutionnels, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la communication, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs et distingués invités, je voudrais d'abord vous remercier d'être venus des différentes régions de l'Afrique, de l'Europe, malgré le coronavirus qui est en train de fatiguer nos économies et nous oblige à garder une certaine distance. Je suis très reconnaissant à tous mes frères chefs d'État, aussi aux délégations venues d'Europe, le ministre des Affaires étrangères de Turquie, le secrétaire d'État de la France. Je vous remercie tous. Au nom du peuple de Guinée et en mon nom propre, je voudrais dire à nos élus hôtes notre bonheur et notre fierté de les accueillir en Guinée et de vivre avec eux cette page importante de notre histoire. Leur présence ici parmi nous est un témoignage de leur amitié et de leur fraternité pour notre peuple, ainsi que la marque de l'intégration indispensable entre nos États. Au moment d'inaugurer ce nouveau mandat, celui de la 4e République de notre pays, après l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale, je voudrais d'abord exprimer une pensée particulière à l'endroit du peuple de Guinée. À tous les citoyens de notre pays, en cette circonstance solennelle, je voudrais adresser mon infinie gratitude pour la confiance renouvelée et l'insigne honneur de présenter encore les destinées de notre pays. J'adresse mes félicitations à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral qui peuvent éprouver le sentiment d'un devoir bien accompli. Je remercie et félicite toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la victoire. Je suis fier d'être Guinéen et d'appartenir à un peuple qui a été présent à tous les rendez-vous de son histoire. Un peuple libre, fier et farouchement attaché à sa souveraineté chrétiennement acquise. Le 10 octobre dernier, les Guinéens, en se rendant massivement aux urnes dans la sérénité et la discipline pour élire leur président de la République, ont fait le choix de la démocratie, de la paix pour leur pays. Les Guinéens, les femmes et hommes, patriotes et responsables, ont annoncé à la face du monde la preuve de leur volonté de privilégier l'intérêt national, quel que soit l'enjeu. Ils ont également montré une capacité de dépassement de soi pour mettre la nation au-dessus de tout et de tout le monde. Ce jour, mardi 15 décembre 2020, restera dans les annales de l'histoire. Il marque pour notre peuple une victoire sur lui-même dans notre quête de valeur démocratique et d'une souveraineté pleine et entière. Notre pays
choisit librement son chemin, la voie de son destin. Le peuple de Guinée reste fidèle à son histoire et à ses vocations naturelles de prôner l'égalité entre les États et de défendre aussi la souveraineté de tous les peuples du monde. La Guinée reste un pays ouvert sur le monde. Je salue une fois de plus la présence parmi nous des chefs d'État, de gouvernement, des délégations étrangères et toutes les personnalités invitées qui, à nos côtés, vivent un des moments forts de la 4e République naissante. La Guinée désormais vit sous l'ère d'une nouvelle vie institutionnelle et démocratique qui modernise nos institutions et tient compte des défis nombreux de notre époque à relever. Car comme tous les pays du monde, la Guinée fait face à des mutations profondes de notre société et au grand bouleversement de l'histoire. Honorable invité, distinguée personnalité, les peuples à travers le temps et l'histoire, et les générations aussi, ont payé un lourd tribut et consenti beaucoup de sacrifices pour parvenir à la liberté, la dignité et accéder également à des droits fondamentaux. Notre peuple reste uni et souverain, malgré toutes les épreuves, parfois dramatiques, qui jalonnent son histoire. En cette occasion solennelle, vous me permettez d'exprimer une pensée forte pour tous les martyrs et héros anonymes de toutes les conquêtes de notre pays. La nation guinéenne ne les oublie pas. Toutes les générations se souviendront de leur engagement et de leur dévouement pour la patrie. Les victimes et leurs familles de tous nos malheurs ont la compassion de notre nation. Je voudrais, au nom du peuple de Guinée, uni et solidaire, et à mon nom propre, leur témoigner la solidarité de l'État qui est à leur côté pour panser leurs blessures et surmonter leurs drames. Je voudrais également exprimer la fierté de notre peuple à notre armée nationale moderne et républicaine, résolument engagée à défendre notre intégrité territoriale, nos valeurs républicaines et démocratiques. Elle continue à protéger notre pays et ses populations avec un rare dévouement et un patriotisme exemplaire. La Guinée, en cette phase de son histoire et pour son avenir, a besoin d'un véritable sursaut national afin de consolider notre commun désir de vivre ensemble, fondé sur l'intérêt national et le respect de nos institutions. Les fondements de notre démocratie ont été souvent ébranlés par les luttes politiciennes et les tensions sociales. Mais grâce à notre vigilance, à tous et au sens de la responsabilité de chacun, la sécurité de l'État, des biens et des personnes continue d'être assurée pour le bien de tous. Je réitère devant la nation mon engagement de continuer à œuvrer pour tous en cette phase de notre histoire et pour notre avenir, car le pays a besoin d'un véritable sursaut national dans l'objectif de consolider l'unité nationale et la cohésion sociale. Je suis le président de tous les Guinéens, au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié. Aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c'est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Je crois profondément aux vertus du dialogue et de la concertation et j'ai acquis depuis longtemps la conviction que la Guinée se fera avec tous les Guinéens,
Mais chacun doit respecter la loi et bannir de ses propos et de ses actes la violence afin que notre pays demeure une société de liberté et de responsabilité. Pour cela, j'exhorte chacun d'entre vous à oublier le passé qui divise au profit d'un avenir d'unité et d'espérance. C'est un devoir qui encombre à chacun d'entre nous. Je mesure le poids des exigences, la responsabilité de toutes les attentes de ma fonction. Malgré tous les progrès accomplis dans tous les domaines de la vie nationale, l'éducation, la santé, l'agriculture, les services sociaux de base, l'entrepreneuriat des jeunes, l'autonomisation des femmes en matière de liberté publique et des droits humains. Notre pays réserve désormais 15% de ses recettes minières au développement des collectivités locales. Ainsi, pour la première fois de notre histoire, les ressources minières de notre pays profitent directement à tous les citoyens à travers leurs collectivités locales. Le secteur de l'énergie a connu un développement significatif. Trois grands barrages ont été réalisés en 10 ans pour une puissance cumulée de plus de 1 000 mégawatts. Notre pays est en passe de pouvoir, comme son partenaire l'exige, participer au partage énergétique avec ses voisins de la sous-région. Le mandat qui commence aujourd'hui, celui de tous les Guinéens qui ont contribué par leur engagement et leur vote, est placé sous le signe d'une reconversion totale des mentalités et de renouveau pour notre pays. Nous aspirons tous à un changement profond et rapide. C'est pourquoi il nous faut changer les pratiques et les méthodes, ainsi que nous obliger à un choix plus judicieux d'hommes et de femmes de toutes les générations appelées à servir ce pays. Je crois au talent et à l'énergie de la jeunesse. Je crois à l'engagement et à l'abnégation des femmes. Je sais aussi combien de fois l'expérience est précieuse à certains moments de la vie d'une nation comme la nôtre. Chacun de nous, à la place où il est dans le rôle qui sera le sien, est invité à s'engager pour changer les Guinéens et apporter de meilleur de lui-même aux Guinéens. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Nous voulons désormais gouverner autrement, comme nous avons pris l'engagement devant le peuple. Gouverner autrement, cela veut dire travailler pour les couches les plus vulnérables. Gouverner autrement, ça veut dire que les ministres et les hauts fonctionnaires doivent être au service du peuple et non pas à leur service, au service de leur famille. Les Guinéens qui ont lutté pour obtenir l'indépendance, les Guinéens qui ont lutté pour m'amener au pouvoir, ne savent même pas dire RPG, ils disent RPC, parce qu'ils ne savent pas parler français. Pourquoi gouverner autrement? Parce que pendant mes deux derniers mandats, j'ai constaté que ces personnes anonymes qui, dans les villages, les districts, ont sacrifié tout pour la victoire, ont été abandonnées par les ministres et les cadres à leur profit. Désormais, gouverner autrement, c'est servir le peuple. C'est pourquoi, dans la déclaration des biens, nous exigerons que non seulement les ministres déclarent leurs biens, mais celui de leurs femmes et de leurs enfants. Car, en observant, je ne connaissais pas bien les cadres guinéens.
mais j'ai eu le temps de les connaître. Aussi, nous allons installer à la présidence une structure. Toutes les sociétés seront passées au crible. Toute société qui appartient à la femme d'un ministre ou à son fils, toute société qui appartient à un directeur général d'une régie sera exclue définitivement des contrats publics. Gouverner autrement, c'est penser à nos femmes si braves. C'est pourquoi nous avons mis dans la Constitution la parité. Gouverner autrement, se donner la chance à notre jeunesse d'être en plein dans la quatrième révolution industrielle, car, comme je l'ai dit dernièrement, les jeunes Africains n'ont rien envié aux Européens, aux Américains, en ce qui concerne la quatrième révolution industrielle. Ghana, Guinée, Mali était le point de départ de l'unité africaine. Nous restons fidèles à notre idéal panafricain, car si l'Afrique est unie avec nos ressources, l'Afrique sera l'avenir du monde. Nous avons raté la première révolution industrielle à cause de l'esclavage. Nous avons raté la deuxième et troisième révolution industrielle à cause de la domination coloniale. Si nous voulons être en plein dans la quatrième révolution industrielle, et nous le pouvons, il faut que nous soyons fiers de nos pays, fiers de notre souveraineté, fiers de nous-mêmes, savoir que c'est nous qui devons prendre nos décisions. Alors, nous serons transformés les richesses de nos pays au profit de nos peuples et surtout des plus humbles, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les handicapés. Je suis certain que c'est la volonté de tous mes collègues chefs d'État qui sont là aujourd'hui. Je salue particulièrement ma sœur Sally parce que nous avons lutter ensemble dans le mouvement étudiant. Donc, nos relations remontent de très loin. Je salue l'empereur. On sait qui c'est, l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans, parfois tumultueux. Je salue le commandant en chef des troupes africaines, le maréchal Idriss. Je salue le jeune doyen des chefs d'État, parce que s'il est le plus jeune que nous, mais il est plus ancien que nous dans les fonctions de président. Donc, c'est notre jeune doyen, le président Faure. Je salue nos voisins communs avec qui nous avons partagé beaucoup de choses, notamment lors des guerres civiles dont leur pays a été victime. Je parle de nos frères, président Marta Diop de la Sierra Leone, et président Voya du Libéria. Quant à la Mauritanie, nous avons aussi une longue histoire avec mes amis de Hadaïne, que le président connaît très bien. Il en est de même des autres pays. Notre souhait est que nous dépassions nos frontières, qu'en dehors de former des ensembles régionaux, que nous arrivons un jour à un État africain. Et je pense que Sassou ne nous mentira pas, car il connaît le symbole de la faïence. Qui disait le symbole de la faïence?
C'est le symbole du roi Gezo, une jarre avec des trous. Nous disions, si tous les enfants du royaume venaient de leurs doigts assemblés, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Alors, je compte sur vous, chers frères, chefs d'État, qui êtes tous soucieux de l'avenir de nos peuples, de notre jeunesse, de nous battre pour nous donner la main et nous unir afin que l'Afrique décide de son destin. Et nous en sommes capables, j'en suis certain. Nous allons laisser, j'espère que nous laisserons aux générations futures, une Afrique unie, une Afrique qui sera l'usine du monde. Je vous remercie.